Je suis arrivée dans cette école avec rien d'autre que mon petit sac à dos, ma règle et ma trousse à crayons dinosaures. Et je me suis fait un nom parmi les élèves, en particulier dans les travaux manuels. Et donc, c'est pour ça que j'ai pensé te faire ce cadeau. Mon plus beau travail. Un diorama du lièvre et de la tortue. Et maintenant, tout ce que je voudrais en retour, c'est que tu acceptes, s'il te plaît, de me rendre mon doudou en peluche, mon cher Pockets. Tu sais, ce qui est amusant avec les doudous, mon cher Pépé, c'est que peu importe à quel point les enfants affirment tenir à leur peluche, ils ne semblent jamais se rappeler l'importance de les garder à côté d'eux tout le temps. Ils les oublient toujours, sur le terrain de jeu, dans la classe ou dans le bac à sable. Et c'est justement là que je débarque pour, disons, prendre soin de vos peluches jusqu'à ce que je sente que vous méritez de les récupérer. Et je le mérite? Madame Muscle? C'est un travail qui vaut à peine un B+, patronne! Oh, c'est nul! Eh bien, dans ce cas, c'est décidé. Pockets reste avec moi. Ah! Oh non! J'ai utilisé 4 tubes de colle pour le faire! 5 auraient été plus efficaces. La réunion est terminée! C'est agréable d'avoir toute la cour d'école sous ma coupe. Cela me semble si... normal. Mais hélas, il y a une personne dans cette cour qui continue de me glisser entre les doigts. Jerry, ce gosse a une culture de microbes à lui tout seul. Quoi? Non! Je parle de bulles. En l'honneur de notre semaine italienne, l'école organise un gigantesque concours de sculpture. Et j'ai l'intention de gagner avec ceci, la réplique exacte de la tour penchée de Pise. Et c'est Bulle, bien sûr, qui va utiliser ses super pouvoirs pour la faire à ma place. Oh, attends, mais tu forceras jamais Bulle à bosser pour toi? Elle quitte jamais des yeux sa poulpette adorée. Hé, le danseur, silence, je n'apprécie pas ton manque de confiance en moi. Le tigre. Les enfants, quels qu'ils soient, finissent toujours par baisser la garde. Bulle, pourquoi tu ne viens pas écrire la réponse au tableau? Ah oui, mademoiselle Kin. Ah, oh, tu viens aussi, poulpette. Quelle magnifique journée pour t'emmener en balade, poulpette. À tout à l'heure, ma jolie. Je vais la voir. Doublure cascade de poulpette. Elle ne quitte jamais des yeux cette stupide pieuvre. Peut-être que c'est impossible. Ah, oh, poulpette, je t'aime plus que tout ce qui existe dans l'univers du monde entier. Et jamais, jamais, jamais tu n'échapperas à mon regard de toute ma vie. Ah, un papillon. Je retire ce que j'ai dit. Poulpette, j'aimerais te présenter mon nouvel ami Perducci et... Culture qui va gagner le grand concours. Permets-moi de te présenter spaghetti et boulettes de viande en papier mâché. Oui, enfin, je vois bien les spaghettis, mais je trouve que les boulettes de viande sont trop petites. Tu crois? Oui, c'est sûr. La boulette, c'est le clou de l'œuvre. Tout le monde paie pour voir ça. Tu veux qu'on passe pour une bande de rigolotes? Ah, d'accord, d'accord. Oh, tiens, voilà Bulle. Salut, ça va, Bulle? Comment tu te sens? On sait que tu as pleuré toute la nuit à cause de Poulpette. Oui, on va t'aider à fouiller toute l'école. Je suis sûre qu'on la retrouvera. Ça va aller. Je m'en chargerai toute seule. Une tête va tomber ce soir.